Dans Tiara, il y a notre outil T-Rex de développement d'applications, mais très simplifié et beaucoup plus ergonomique dans la mesure où on n'a quasiment pas à utiliser le clavier ni la souris. On se contente d'enregistrer vocalement les questions et les réponses. Le programme que je vais écrire devant vous avec Tiara est là, sous vos yeux, écrit avec T-Rex, donc l'outil professionnel. Vous pouvez vous rendre compte qu'on peut comprendre le contenu en le lisant, et que cette arborescence, c'est le programme, c'est-à-dire la méthode de l'expert qu'il aimerait voir utiliser dans le programme. Et Tiara, d'un simple clic sur générer, transforme cette arborescence en fait un système expert, c'est-à-dire qu'il extrait la connaissance qui est contenue dans les arbres, et par la suite, il crée le dialogue par lui-même, et ça évolue en fonction des réponses de l'utilisateur. Alors ici, bien entendu, c'est extrêmement simple, mais une application normale est faite de dizaines ou plus, ou de centaines d'arbres. Et là, on est content de voir que le logiciel T-Rex est capable de se retrouver là-dedans pour faire progresser un dialogue quand il est nécessaire de façon pertinente. Et puis s'il n'y a pas besoin de dialogue, eh bien il raisonne et il obtient directement le résultat. Donc ici, on peut tester ce programme avec la version professionnelle. Est-ce que tu veux un petit baiser? Oui. Voilà. Et si je peux donc revenir en arrière, non. Donc j'ai la possibilité toujours de l'explication, qui n'est pas extraordinairement claire pour le premier venu, parce que la négation n'a pas encore été écrite dans le dictionnaire. Voilà. Donc là, j'ai bien un programme qui tourne. Maintenant, je vais vous montrer le même, mais écrit, enfin du moins vocalisé avec Tiara. Tiara. Que puis-je pour vous? Tiara programme. Avez-vous dit programme? Oui. Ok, programme. Donc ici, je vais écrire le programme que nous venons de voir sous T-Rex, que je vais vous rappeler d'ailleurs. Voilà. Donc je lui donne un nom. Et là, le logiciel me demande si ça commence par une question vocale comme d'habitude, par un lancement vocal, ou par une autre forme de démarrage. Alors on va dire non pour que vous puissiez voir. Donc, si c'est une commande vocale, par exemple, je peux l'associer à n'importe quelle commande que connaît Tiara. Donc, en faisant cette commande qui théoriquement lance déjà une fonction, ça lancera également ce programme. Mais si le logiciel en question, qui est lancé par cette commande, est lui-même lancé, ça lancera le programme. On peut aussi démarrer l'application sur une date ou une heure, ou la démarrer au démarrage du PC. Donc je reviens en arrière. Maintenant, je dis que je veux que ça démarre sur le nom de test et je pose ma première question. Donc ça procède par enregistrement. Bonjour ma chérie, est-ce que tu veux un petit baiser? Donc je valide et à cette question qui est en fait un wave, je
propose des réponses. Si c'est oui, c'est une conclusion là. Tiens, en voilà un tout rouge. Puis là, je vais chercher dans la liste des fichiers déjà sélectionnés dans BibTiara, celui qui m'intéresse. Maintenant, je peux tester cette application. Tiara test. Oui. Tiens, en voilà un tout rouge. Tiara ferme. Je ferme. Tiara, BibTiara. Ok, BibTiara. Tiara programme. Ok, programme. Donc je reviens dans mon application et là, je continue. Non, pas de baiser. Quelle tristesse. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'adresser, te faire jouer un jeu, visionner une vidéo de nos vacances, ou écouter ton morceau préféré? Non, pas de baiser. Quelle tristesse. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'adresser, te faire jouer un jeu, visionner une vidéo de nos vacances. Et là, je suis donc tenu d'écrire chacune des réponses, car je ne suis pas dans un cas où la réponse est de type oui-non. Donc, je reviens ici pour regarder, donc, vidéo, écouter un morceau, jouer un jeu. Et là, une fois encore, l'arbre s'écrit. Donc, regarder une vidéo de vacances. Voilà, ça va être une conclusion. Tiens, voilà le film qu'on a pris à Malte. Tu te souviens ? Tiens, voilà le film qu'on a pris à Malte. Tu te souviens ? Puis je vais le chercher. Et il s'appelle Vacances. Voilà. Tiens, voilà le morceau de piano que tu joues tout le temps. Bon, j'ai trouvé que j'ai fait une erreur, donc je le recommence. Tiens, voilà le morceau de piano que tu joues tout le temps. Tiens, voilà le morceau de piano que tu joues tout le temps. Il s'appelle Marche turque. Le voilà. Et enfin, jouer à un jeu, ça, c'est... Que puis-je pour vous ? Tiens, voilà le jeu auquel tu adores jouer avec moi. Merde. Tiens, voilà le jeu auquel tu adores jouer avec moi. Tiens,
Voilà le jeu auquel tu adores jouer avec moi. Tiens, voilà le jeu auquel tu adores jouer avec moi. Dame de pique. Voilà, je n'ai plus qu'à générer. Et tester. Tiara test. Bonjour ma chérie. Est-ce que tu veux un petit baiser? Non. Non? Pas de baiser? Quelle tristesse. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'adresser, te faire jouer un jeu, visionner une vidéo de nos vacances ou écouter ton morceau préféré? Regardez une vidéo de nos vacances. Tiens, voilà le film qu'on a pris à Malte. Tu te souviens? Reviens en arrière. Non, pas de baiser. Quelle tristesse. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'adresser, te faire jouer un jeu, visionner une vidéo de nos vacances ou écouter ton morceau préféré? Écouter ton morceau préféré. Tiens, voilà le morceau de piano que tu joues tout le temps. Voilà, la démonstration est terminée. Ce que vous devez en retenir, c'est qu'il n'y a pas de limite aux possibilités de programmation de ce type de représentation arborescente. On peut traiter aussi bien des problèmes de gestion complexes que des problèmes industriels, de la programmation temps réel et bien entendu le conversationnel qui est impossible à programmer autrement, les dialogues étant extrêmement complexes et devant être toujours pertinents. Si vous voulez en savoir plus, eh bien allez sur notre site web, vous y verrez beaucoup d'explications et de démonstrations. Merci.